C'est l'euphorie des grands jours sur le ponton du Memorial Act, car le Chipotle est enfin sur la terre ferme après avoir franchi la ligne d'arrivée à 9h21 précise ce matin. On pourrait s'y tromper, car Chipotle est accueilli comme un vainqueur de la Mini Transat. C'est en fait en 19e position que l'enfant chéri de la Guadeloupe a terminé sa mission au prix d'une compétition où la concurrence lui a mené la vie dure. Qu'importe, le Guadeloupéen voulait avant tout rentrer à bon port. Je me suis battu tout ce que je pouvais, j'ai donné tout ce que j'avais, malheureusement ça donne qu'une 19e. Oui, la première étape, je n'ai pas pu exploiter en fait comme je l'aurais voulu. En fait, un bateau que je connaissais encore relativement mal. Ça a été un peu mieux pour la deuxième étape. Mais je le disais à l'instant, l'essentiel n'est pas là. Je le disais, d'autres viendront à ma place. Et ceux-là, on aura des raisons d'être totalement fiers d'eux en matière de résultats. 15 minutes auparavant, Carl Chipotle est à la proue de son bateau. Visiblement, le grand large lui a fait du bien. Le skipper semble en forme, fier de ce qu'il vient d'accomplir. Et puis, il y a la Guadeloupe qui est venue saluer son exploit, celui d'avoir osé. Carl Chipotle mesure à peine qu'il vient de traverser l'Atlantique seul et en solitaire. C'est toute cette foule qui le lui rappelle et confirme qu'il est bien chez lui, à la maison. Quant au souvenir de cette Transat 2015, il en garde quelques épisodes dans la tête. J'ai pas fait cette course en solitaire. J'ai, dès la première semaine, dès le quatrième jour, en fait, avec Vincent et Henri, et d'autres Seb qu'on a rencontrés depuis longtemps, on restait en contact, mais pas pour rester en contact, on se tirait un petit peu la boue, en fait. Ça crée une émulation pour nous faire avancer de plus en plus vite. Et à ce jeu-là, on avançait, on en a remonté tout terrain parce qu'on n'était pas très bien au début. Voilà, dans quelques... Carl Chipotle arrivé à domicile, on pourrait croire que le rideau peut enfin tomber sur l'édition 2015, mais la Mini Transat continue, d'autres arrivées sont prévues dans la foulée. Peut-être pas aussi sucrées que celles réservées au skipper saint-annais, seul représentant en effet du pays Guadeloupe.